Ah bah. Bonjour. Vous voyez qu'il est venu. Bah non, parce qu'il me disait que ça n'allait pas venir. Ça, c'est génial. Oh bah écoutez, tout le monde est ravi de vous recevoir. Il y a même la boule qui m'a demandé un autographe. C'est vrai? Ah oui, oui, alors si vous avez... Il a une drôle de tête, il fait un peu... Oui, mais ça n'empêche pas d'être fan, pourquoi? Ah bon? Non, je sais pas, il avait l'air désagréable. Vous êtes un je lui ai dit bonjour monsieur, il m'a pas répondu. Ah, vous êtes un homme à fan, vous, non? Bon, alors, je vais vous proposer une énigme. Aïe. Et si vous répondez, eh bien, vous allez remporter le temps que vous aurez misé, à savoir 10 ou 20 secondes. Alors... Une énigme. Une énigme, bon, alors... On va tenter les 20 secondes. 20 secondes? Sûr? Bon, ils ont confiance en moi, donc... 20 secondes. Allez, bon. Allez, on y va. Alors, voici... Ça, c'est pour intimider. L'énigme. Contre elle, on a une dent. On a peur quand on l'entend. Elle nous fait jouer, pourtant, et permet le déplacement. Qui est-elle? Je répète, contre elle, on a une dent. On a peur quand on l'entend. Elle nous fait jouer, pourtant, et permet le déplacement. Qui est-elle? Très longtemps. C'est un nom féminin, donc. Oui, oui, parce que là, c'est pas mal. Une dent, oui, ça, je pouvais le trouver. Allez, proposez. Nord, une dent en or. Une cloche, une couronne, une dent, une couronne. Je peux pas me déplacer avec une couronne. Allez, une dernière réponse, allez. Une dent. Allez, un seul mot. Un. Une dent en or, une dent. Un seul mot. Deux. Mais non, j'ai rien qui vient. Ah ben la sentence est tombée. Ah ben, c'était la roulette. La roulette du dentiste. La roulette du dentiste. Ou fraise. La roulette de jeu dans les casinos. Mais pourquoi on a peur quand on entend? La roulette du dentiste aussi, d'accord. Bon, bah j'ai été nul. Monter sous un objet pour en faciliter le déplacement. La petite roulette là, la petite roulette. Maintenant c'est limpide. Des fois quand on joue à la roulette, on perd aussi. Hein. Bon. Bon, allez, sans rancune et vous m'envoyez Victoria. Donc je les prends et je les mets dans. Je m'en occupe. Bon, allez. Victoria. Voilà.